Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis vraiment contente de vous retrouver pour une vidéo où je suis assise et je vous parle d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. En fait, si vous me suivez sur Instagram, il y a bien un sujet que je mentionne assez fréquemment. Et c'est tout ce qui touche autour du skincare, les routines de soins de peau. Et aujourd'hui, j'avais le goût de vous partager dans le fond mes top trucs en collaboration avec Olay pour avoir une belle peau en santé. Parce que c'est quand même une question que je reçois assez souvent. Qu'est-ce que tu fais pour avoir une aussi belle peau? Et je veux vraiment pas me lancer des fleurs, mais au courant des dernières années, j'ai développé quelques petits trucs que j'applique soit quotidiennement, hebdomadairement, qui aident vraiment dans le fond à avoir une belle peau en santé. C'est vraiment ça dans le fond, ce qui est le plus important, c'est qu'elles soient en santé à court terme, mais qui vont aussi à long terme. Donc allons-y tout de suite avec mes top trucs pour avoir une belle peau en santé. Donc mon premier truc, et ceci est vraiment la base, si jamais vous nous êtes jamais embarqué dans du skincare, c'est une bonne chose par laquelle commencer, et c'est vraiment de retirer votre maquillage le soir. Peu importe l'heure qu'il est, moi personnellement qu'il soit 7h le soir ou 3h du matin, je vais toujours prendre le 5 minutes de plus qu'il faut pour vraiment retirer tout mon maquillage et nettoyer mon visage afin de laisser mon visage respirer pendant la nuit parce qu'on se le cachera pas, il y a beaucoup de saleté qui s'accumule, donc tu as une couche de maquillage, une couche de saleté, ça va faire en sorte que ta peau respire moins bien la nuit et tu risques fort probablement de développer des petits boutons dans les journées qui suivent. En tout cas, moi personnellement, peut-être que ma peau est hyper sensible, mais dès que je me couche une fois avec du maquillage le soir, je remarque des boutons qui apparaissent dans les journées qui suivent. Donc pour empêcher tout ça et vraiment laisser dans le fond notre peau respirer et se régénérer pendant la nuit, enlevez votre maquillage. Je vous garantis que ça vaut les 5 minutes que ça prend. Donc truc numéro 2 est vraiment assez évident mais il demeure très crucial, donc il fallait que je le mentionne, c'est de développer une routine de soins de peau quotidienne. Et là je sais déjà que vous allez me dire, Cass, j'ai vraiment pas le temps de m'embarquer là-dedans, et je vous comprends et je vous l'accorde que effectivement vous n'avez pas besoin de vous embarquer dans une routine de soins de peau à 10 étapes. Suffit de rester à la base avec un bon nettoyage et une bonne hydratation et le tour est joué. Moi personnellement le soir j'adore prendre le temps de plus pour faire vraiment une routine un peu plus élaborée parce que c'est mon petit me time, ça permet de me détendre avant de me coucher et j'aime vraiment ça. Mais je vous le cacherai pas que le matin lorsque je suis vraiment pressée et que je suis prête à entamer ma journée, que ma routine de soins de peau est très très condensée et très minimale. Put a finger down si toi aussi t'as pris énormément trop de temps à intégrer la protection solaire dans ta routine quotidienne ou même que tu n'as juste jamais intégré la protection solaire dans ta routine quotidienne. En fait, moi personnellement, ça fait que quelques années et je regrette, j'aurais souhaité que j'avais plus d'informations par rapport à ça plus tôt et que je commence à l'intégrer vraiment plus jeune dans ma routine quotidienne. Je ne peux pas vous dire à quel point ce truc-ci est vraiment, mais vraiment important, tant en été qu'en hiver. En fait, juste pour vous donner une petite idée, lorsqu'on fait notre routine de notre vie de tous les jours, en allant au travail, en restant dans le trafic pendant beaucoup trop longtemps à cause de la construction, en allant faire notre épicerie, en prenant notre chien le soir, on est exposé à des rayons UVA, UVB pendant en moyenne 18 heures dans une semaine. On s'en rend pas nécessairement compte parce qu'on n'est pas à la plage en train de se faire bronzer, mais on est très souvent, indirectement ou directement, exposé à des rayons UVA, UVB. Donc c'est tellement, mais tellement primordial d'appliquer une protection solaire quotidiennement. Je sais que peut-être que vous pensez que la protection solaire n'est vraiment pas nécessaire étant donné qu'on voit pas vraiment les dommages à court terme, mais trust me, il y a beaucoup beaucoup de dommages qui peuvent être faits à long terme, non seulement côté de vieillissement de peau, mais aussi tout ce qui touche au cancer de la peau, donc vraiment mettez toutes les chances de votre côté. Et encore une fois, je sais que vous allez me dire, Cass, pour vrai, je veux pas prendre l'étape de plus d'appliquer une crème solaire, j'ai pas le temps pour ça. Cass, j'ai ça appliquer la crème solaire, ça laisse un film sur ma peau, je peux y aller appliquer mon maquillage par la suite. Je vous comprends. Moi-même, comme je l'ai dit, je suis relativement pressée le matin, donc il était important pour moi de trouver une façon efficace et rapide d'intégrer la protection solaire dans ma routine de soins de peau sans devoir nécessairement acheter une étape de plus, un produit plus ou nécessairement ayant l'impression d'appliquer une grosse crème solaire épaisse sur mon visage. Et j'ai vraiment une bonne nouvelle pour vous. En fait, j'ai récemment découvert que la crème Whip de Olay, qui est une de mes crèmes préférées, est récemment sortie avec une version ayant du SPF 40. Et c'est devenu mon meilleur ami dans les dernières semaines. Cette crème tout en un, en fait, hydrate ma peau, améliore son élasticité et sa fermeté, tout en la protégeant contre les rayons UVA, UVB. Et en plus, la texture de la crème est vraiment légère et n'est pas du tout grasse, ce qui est vraiment très plaisant et permet l'application du maquillage très facile par la suite.
et je trouve que c'est vraiment un excellent primer avant d'appliquer mon maquillage. Personnellement aussi, ça me rassure vraiment d'appliquer une crème qui est backée par la science et qui va vraiment dans le fond livrer les bénéfices qu'elle promet. Donc à chaque matin, je vais finir ma petite routine de soin de peau en appliquant ceci et boum bang done. En quelques secondes, j'ai une crème qui va à la fois hydrater ma peau mais aussi me protéger des rayons UVA, UVB au courant de la journée. En plus, vraiment side note, mais j'aime beaucoup beaucoup l'odeur de cette produit-ci. C'est vraiment léger, super rafraîchissant et ça laisse ma peau très très douce. Je suis 1000% vendue. Déjà que j'aimais la crème, maintenant avec SPF 40, je la recommande fortement à tout le monde. Truc numéro 4 et le truc sur lequel je travaille encore moi-même dessus très très fort, et c'est de boire de l'eau fréquemment. Je sais pas pourquoi, mais je dois toujours me forcer à boire de l'eau pendant la journée. Je remarque que je peux passer des heures sans boire une gorgée d'eau. Étant quelqu'un qui s'entraîne assez relativement souvent et ayant une peau naturellement plus sèche et sensible, il est vraiment vraiment important que je boive beaucoup beaucoup d'eau. Et je vous le dis tout de suite, les journées que j'en bois pas beaucoup, je le vois, ma peau a tendance à être un peu plus l'air d'un petit raisin sec et a l'air un peu moins vivante que les journées que j'en bois assez. Vraiment petit truc comme ça qui m'aide dans le fond à boire plus d'eau, c'est soit les bouteilles avec une paille. Je sais pas pourquoi, mais dès qu'il y a une paille, je suis naturellement plus attirée à boire de l'eau. Mais c'est aussi vraiment important pour moi d'avoir une bouteille qui tient mon eau vraiment vraiment froide, parce que moi, dès que l'eau est tiède, oublie ça, I won't drink it. Et finalement, mon dernier truc, truc numéro 5, c'est de la constance. C'est bien beau appliquer les 4 derniers trucs que je vous ai dit, mais si vous décidez de le faire une journée sur deux lorsque ça vous tente, vous risquez fort probablement de ne pas voir les résultats que vous souhaitez. Donc vraiment, soyez patient avec vous-même, commencez avec des trucs de base et tranquillement, pas vite, établissez-vous une petite routine de soin de peau. Puis là, lorsque je parle de soin de peau, c'est pas juste les produits que vous utilisez, c'est vraiment dans le fond l'ensemble, la globalité des choses que j'ai couvert aujourd'hui. Et je vous garantis, perdez pas espoir, parce que ça se peut que ça prend un peu de temps avant que vous voyez les résultats, mais si vous y mettez le temps et l'énergie nécessaire, vous allez y arriver. Notre peau de visage n'est vraiment pas quelque chose à négliger. Donc vraiment, pour faire un bref résumé, n'oubliez pas de vous démaquiller le soir, établissez-vous une routine de soin de peau quotidienne, mettez de la protection solaire. Plus d'excuses, ça se fait super facilement avec la vraiment excellente crème de Olay Whip Regenerist avec SPF 40. Je vous répète, cette crème est une vraie perle, je vous le suggère fortement. Juste un petit rappel que je partage vraiment les trucs qui fonctionnent le mieux pour moi, mais vous pouvez évidemment l'adapter à vos besoins vraiment très facilement. Donc voilà ce qui conclut la fin de la vidéo. Si jamais vous avez des questions additionnelles, n'hésitez surtout pas à les écrire en commentaire, ça me fera plus que plaisir d'y répondre. Et sinon, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!